Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Edor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. Il s'agit du quatrième Transformers Power of the Primes que je présente sur ma chaîne. Il s'agit du Legends Class, Beachcomber. Je sais pas si j'arriverai à parler bien pendant toute la review. Donc, Beachcomber avait déjà été fait dans Universe 2008 en tant que Legends, mais il a le droit maintenant à une version qui est plus G1. C'est ce qu'on va voir tout de suite, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc, concernant la boîte, on a la boîte habituelle avec Transformers en rouge sur fond noir, le logo Generations, Beachcomber qui a l'air d'attraper quelque chose, je sais pas quoi, mais il a l'air de vouloir attraper quelque chose. Je viens de remarquer qu'on a des symboles cybertroniens par ici. Je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent dire. En tout cas, l'artwork est sympa, on voit la matrice derrière le petit, la petite bulle en plastique. Une image ici du mode alternatif qui, on va le voir, est très jolie. Power of the Primes, Class Legends, Hasbro, Beachcomber, normal. On a ici la même image du mode robot, Generations. À l'arrière, on a donc des images du mode robot et du mode alternatif comme d'habitude. Géologue Autobot, il utilise ses scanners pour trouver des ressources. Et oui, c'est un géologue. Je crois que Pipes aussi est un géologue. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir Pipes et Huffer en Legends bientôt. On en a déjà eu, mais c'était des ripines d'Optimus, donc pas vraiment en raccord avec leur version G1. Mais bon. Ici, on nous montre qu'on peut par exemple prendre Micronus et le mettre dedans, mais c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. On a aussi dans la boîte la carte, évidemment la carte collector, qui, comme je l'ai dit pour un review de Scrapnel et peut-être de Windcharger, est d'une qualité légèrement moins bonne que ce qu'on avait précédemment. On a les coins qui sont toujours biseautés comme ce qu'on avait avec Titan's Return, mais la qualité n'est pas là, elle est peut-être deux fois plus fine, enfin, pas deux fois, mais quand même. Donc on a Beachcomber, Power of the Primes, le tour en vert avec le symbole du Prime Master qui est associé sur cette carte-là. Il s'agit de Liège Maximo. On a toujours le même artwork du robot ici, qui est toujours aussi joli, avec quelques détails d'éclat de peinture là, comme s'il était tombé, parce que, étant pacifiste, je sais pas pourquoi, enfin, il irait peut-être se faire tirer dessus, mais en tout cas, il ne tire sur personne. Et justement, c'est ce que ça dit derrière, Liège Maximo Beachcomber convainc ses ennemis de déposer leurs armes. Ce qui est pas mal. Surtout que j'ai Liège Maximo, donc je peux le mettre avec, même si Liège Maximo est censé être un Decepticon. Enfin, du côté plus Decepticon des Primes, parce que Autobot et Decepticon n'étaient pas censés exister lorsqu'il y avait les 13 Primes. Maintenant, on peut donc passer enfin au jouet. Désolé de l'intro aussi longue. Que nous retrouvons donc ici dans son mode alternatif, qui est un petit buggy. Beachcomber, buggy, enfin, qui rappelle évidemment la plage et le petit buggy qui peut aller sur la plage. Et justement, le buggy est très très joli. On a un logo Autobot ici, qui est très beau, qui est très grand. Les phares qui sont une pièce séparée, qui sont donc en gris. Bon, ils ne sont pas peints, c'est un petit peu dommage, mais un petit coup de peinture et c'est très vite réglé. Les grandes roues qui ne sont pas le même, qui sont pas du même modèle, qui font pas exactement la même taille je crois, et qui ont les jantes peintes en grise, ce qui est un très bon point. Je devrais pas normalement dire ça, on devrait dire oui, les jantes sont peintes comme tous les autres Transformers, mais vu que ce n'est pas le cas, malheureusement on est obligé de le souligner lorsque ça arrive. On a ici les arceaux de sécurité autour du cockpit qui est creux tout simplement parce qu'il y a l'interaction avec les Titan Master et Prime Master. On a des petites applications de gris métallique foncé derrière, enfin sur les pièces ici, ce qui est très joli, ça donne très bien. On a des petits détails d'amortisseurs comme à l'avant, franchement il y a plein de détails sur ce petit Transformers. Un petit peu de peinture argentée à l'arrière pour les deux cylindres qui sont là. On a ici un port 3 mm si vous voulez mettre des armes de Cyberverse, ça doit marcher, mais aussi pour mettre sur un stand par exemple, ça doit rendre tout aussi bien. Concernant l'undercarriage, on a évidemment un petit peu tout qui se voit, les cuisses ici, l'intérieur, enfin des pièces qui seront internes au robot qui sont très détaillées, ce qui est très joli, le torse et les bras,
on verra ça plus en mode robot. On va donc passer maintenant à l'interaction avec le Titan Master. Donc ici je prends Ramorn, qui est déjà en review sur ma chaîne, dont vous pouvez peut-être voir la review qui s'affiche ici. Donc, pour le mettre dedans, on déclipse à cet endroit-là. On lève cette partie, on peut descendre ici. On lève les bras de Ramorn pour le mettre en position assise. Et on vient le poser là-dedans. Le peg qui est derrière va tout simplement se mettre à cet endroit-là. Ainsi. Plus qu'à refermer. Et voilà, Ramorn conduit Beachcomber. Et je trouve que c'est vraiment excellent étant donné qu'on le voit vraiment. Contrairement par exemple à Windcharger ou à Willy, que j'avais déjà présenté. Là, on a vraiment seulement les arceaux, on n'a pas de vitre fumée autour, ce qui fait qu'on peut vraiment voir le conducteur, et je trouve que c'est juste génial. Justement, parlant de Windcharger, voici la comparaison avec celui-ci en mode alternatif, et on peut voir qu'il est un petit peu plus massif, Beachcomber. En même temps, c'est deux véhicules différents, mais Beachcomber fait un petit peu plus haut, plus large, et niveau longueur, ça se vaut. Voilà, donc c'est pas mal, on a un Legends qui est assez massif, c'est toujours agréable à voir. On peut donc maintenant passer à la transformation. Donc, on vient sortir le Titan Master. Et la transformation est très simple, normal c'est un Legends, mais quand même relativement bien pensé pour arriver à rendre le mode robot aussi joli que possible. Donc on vient prendre l'avant, et on vient l'étirer comme ça, il y a un axe qui est juste devant l'axe des roues. On peut ensuite ramener les arceaux à l'arrière et séparer ce qui formera les jambes, comme ça. Ensuite, on prend les côtés qui vont former les bras. On écarte, on prend cette partie-là, on la ramène dedans. C'est juste comme ça, tout simplement. Et la tête sort en même temps, c'est sur la même pièce, donc voilà. Plus qu'à prendre cette pièce-là, la ramener en arrière, et Beachcomber est transformé, et je trouve que c'est vraiment pas mal qu'il soit transformé aussi rapidement. En fait, ça correspond bien avec le fait qu'on ait maintenant des modes alternatifs et des modes robots qui soient relativement ressemblants aux G1, dans la mesure du possible, tout en ayant une transformation aussi simple que les jouets G1. Je trouve que c'est un bon point, même si j'aimais bien les transformations comme dans Revenge of the Fallen, qui étaient compliquées et qui permettaient de réfléchir un petit peu et de, en quelque sorte, apprendre à résoudre la transformation d'un Transformers. Mais là, on a quelque chose qui est simple, et le design, de toute façon, le design de Beachcomber ne nécessite pas une transformation vraiment plus compliquée que ça. Car, comme vous pouvez le voir, le mode robot est très ressemblant au G1, et c'en est assez bluffant, en fait. À part le torse, qui est un petit peu trop gros, on peut voir ici qu'il fait assez massif au niveau du torse, et les jambes font peut-être un petit peu courtes, mais c'est tout simplement pour pouvoir tout simplement avoir le Titan Master ou le Prime Master qui vient se loger dans le mode alternatif. Je pense que c'est un mal pour un bien, en quelque sorte, mais ça, c'est pas non plus trop grave. On ne sacrifie pas trop du mode robot pour avoir une petite fonctionnalité en plus en mode alternatif, ce que je trouve vraiment génial. Donc concernant les détails, on a la tête bleue ici de Beachcomber, qui est franchement très jolie, avec les lunettes de soleil en quelque sorte argentées, le petit truc dessus, des détails à l'arrière comme si c'était le moteur, c'est très cool, les roues qui restent sur les épaules, les mains qui sont peintes, ce qui est vraiment très bien. Bon, les bras sont un petit peu creux, mais tant qu'on les regarde comme ça ou sur le côté, ça va, c'est parfait. On a pas mal d'applications de peinture ici, donc on a une décalcomanie. Ici, je crois que c'est ça, sinon tempographe, je ne sais pas si ça existe en français. Du bleu qui est peint ici, du jaune et du orange à cet endroit-là, ce qui est vraiment génial, ça rajoute des détails, c'est très apprécié. On peut voir d'ailleurs que toute la pièce ici est en fait peinte en gris, tout simplement parce que là, c'est du plastique qui n'est pas peint, et ici, c'est une couleur différente. C'est un problème parce que sur le côté, par exemple, ici et là, ce n'est pas peint, et ça fait des détails noirs. C'est dommage, mais bon, c'est pas non plus très grave, hein. Le reste du robot reste très joli. Donc maintenant, les jambes qui sont relativement courtes, mais qui donnent bien quand même, le logo Autobot qui est séparé en deux. Donc Beachcomber ne nécessite pas plus de logo Autobot, étant donné qu'il en a déjà un sur les jambes. Bon,
Voilà, les pieds qui sont juste moulés dedans. Ça reste seulement l'avant du véhicule, mais ça reste justement très proche du G1, ce qui est toujours très apprécié chez les fans. Dans le dos, on a évidemment le bloc moteur ici. C'est creux à cet endroit-là, mais c'est normal, ils n'avaient pas rajouté un panneau sur un Transformers aussi petit et pour une transformation aussi simple. On a les arceaux qui nous servent de talons, ce qui est un très bon point. Ils auraient pu les laisser en arrière, ce qui aurait été moche et qui aurait encombré le mouvement, enfin les articulations au niveau des jambes. Mais là justement, on a quelque chose qui nous sert et qui évite d'avoir trop de keyballs en arrière. Voilà. Pour la comparaison en mode robot, j'ai choisi cette fois-ci de le comparer avec le Voyager Class Optimus Prime Classics, ici dans sa version Age of Extinction, dont vous pouvez voir la review sur ma chaîne. Et vous pouvez voir que l'échelle est plutôt respectée. Je sais que l'année prochaine, nous aurons un Transformers Optimus Prime dans War for Cybertron, la première gamme qui s'appelle Siege. J'aimerais bien l'avoir, ce Optimus, parce qu'il est beaucoup plus ressemblant au G1 que celui-ci. Mais en attendant, c'est le seul Optimus que je trouve joli et que j'ai dans ma collection, de toute façon, collection Chug. Donc c'est avec lui que je compare les Transformers pour savoir si c'est à peu près à la bonne échelle. Et je trouve que Beachcomber, justement, va très bien. L'échelle Legends a été très bien pensée pour aller avec, justement, l'échelle des grands Transformers en Deluxe ou en Voyager, ou même les leader class comme Ultra Magnus et Jetfire. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Transformers, enfin dans les gammes Generations, c'est qu'il y a un petit souci d'échelle. Évidemment, l'échelle a varié dans les différents épisodes G1, mais c'est une autre histoire. On a donc comme ça un Beachcomber qui est à l'échelle, qui est très joli, et dont on va voir les articulations tout de suite pour voir s'il en vaut la peine. Donc, au niveau de la tête, on a une rotation sur les côtés, j'ai pas beaucoup tourné, et vu que c'est seulement sur un pivot, on n'a pas de haut-bas ni sur les côtés. Ça peut être un petit peu dommage si vous voulez le rendre plus expressif, mais c'est pas non plus très grave. Au niveau des bras, on peut tourner à 360 degrés, on peut ramener vers le haut complètement, pas de problème là-dessus. Ball joint au niveau des coudes qui nous permettent donc de plier à 90 degrés et de tourner dans tous les sens. Au niveau des jambes, on peut ramener entièrement vers l'avant, quasiment entièrement vers l'arrière, mais si on bouge cette pièce-là, ça peut y aller sans problème. Ensuite, vers l'extérieur, on peut aller complètement sur le côté. On peut tourner à ce niveau-là. Ça casse un petit peu les détails. Mais bon, ça nous rajoute un petit mouvement en plus. C'est toujours apprécié. Et évidemment, on peut rentrer complètement la jambe en pliant le genou. C'est pour la transformation. C'est normal. Donc voilà, pour sa taille, il est plutôt bien articulé. J'aime bien. En même temps, c'est un petit peu les standards Legends des derniers temps. Ces articulations-là. Mais au moins, c'est bien que tous aient ces articulations, c'est pas mal. Le seul problème que l'on pourrait donner à ce Beachcomber étant de ne pas avoir d'armes. Il aurait nécessité, pas forcément un fusil, mais quelque chose de plus original pour montrer qu'il est pacifiste, tout simplement. Même un petit accessoire, au lieu d'une arme, un petit accessoire qui rappelle un épisode G1, même si ce n'est pas vraiment les standards des Chug, mais des Masterpieces. Ça aurait évité déjà d'avoir une arme à feu pour Beachcomber, et ça aurait permis un petit peu plus de jouabilité. Même si, à partir du moment où on a plusieurs Transformers, celui-ci reste un très bon achat si on veut compléter un petit peu les mini-bots Transformers G1. Voilà. Donc, j'imagine que c'est à peu près tout pour ce Transformers. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dessus. J'adore ce jouet. Voilà. Oui, donc n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers, Transformers et autres vidéastes qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum Transformers.fr pour des news sur les différentes gammes de Transformers et sur les autres jouets qui peuvent sortir. N'hésitez pas non plus à aller commenter la vidéo pour donner votre avis sur ce Beachcomber et pourquoi pas sur la review si vous voulez qu'il y ait... Enfin, si vous avez une idée pour que quelque chose change, il n'est pas dit que je fasse ce changement bientôt. En tout cas, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Je vous recommande très fortement ce Beachcomber Power of the Primes Legends Class. Et donc on va se laisser ici, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine review ou un Lego Former, peut-être. Stay there, fin de former un jour, fin de former toujours, allez salut.